Ah, c'est très lumineux. On voit pas trop les éclairages dans la vitre. J'essaie de déplacer. Normalement, non. Non, ça va. Voilà, quand je filme, on les voit, mais. Salut. Ça a l'air de bien fonctionner. Est-ce que le son est bon? Dites-moi, j'ai reçu mon nouveau micro. Donc, j'aimerais bien que ce coup-ci soit bon, pas comme lors des derniers lives. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Ce serait cool. Il y a un petit peu de monde qui arrive. Coucou Ange, dis-moi si tu m'entends bien avec mon nouveau micro. J'attends de savoir. Coucou Nico, coucou tout le monde. Oui, très bien, super. Tiens bébé. Hop. Bah, tu veux pas montrer les ingrédients Bah, tiens. avant? Tiens, c'est toi qu'on voit là. Moi j'avoue, je suis en train de regarder le mariage des Marseillais. La honte. hop, je vais décaler ça du droit. Bon, c'est parti pour la recette. Ouais, c'est parti. Apparemment, le micro marche bien, donc je suis content. C'est le même que la dernière fois en fait, mais du coup, il marche celui-ci. Il n'a pas grillé ce coup-ci. Donc, ce soir, on va attendre 5 minutes comme d'habitude, hein, qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, mais je vais vous donner la liste des ingrédients quand même, je vais vous la récapituler. Donc je vais déjà baisser ce feu que j'avais mis à Bah oui, je préchauffer. regarde le mariage, t'aurais dû attendre 21h. Du coup, regardez, on a plusieurs ingrédients. Donc en fait, un Pokéball, vous pouvez faire l'assortiment qui vous fait envie. Mais nous, on va faire du classique avec du saumon cru, etc. Pour Elissa, ce sera du tofu. Tu veux du tofu ce soir encore? Ouais, c'est du Ouais. tofu au curry. Je l'ai sorti, me semble, il Oui. est là. Ouais. Regardez, hop, du tofu au curry pour Elissa, parce qu'elle n'aime pas le saumon cru. Et donc, pour cette recette, on a quelques graines de sésame, on a un citron vert, on a de la sauce soja, sucrée ou salée, là c'est salé, mais pour Elissa, ce sera sucré. Quelques fèves, si vous n'avez pas d'edamame comme moi, des fèves, c'est très bien. Un petit peu de sel, il y a, on va dire. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je vais faire 450 grammes de riz, et vous, je vous ai donné 250 grammes, mais je vais vous donner les quantités pour vous, pour 250 grammes. Donc, pour 250 grammes, oui, il vous faudra 5 grammes de sel, il vous faudra 20 grammes de sucre, donc 250 grammes de riz, et vous, il vous faudra 40 grammes, non, pardon, 35 grammes de vinaigre de riz ou vinaigre de cidre, ça marche aussi. Ça s'achète où les fèves? Les fèves, bah, nous, c'est les fèves du jardin, mais tu les trouves en hypermarché, hein. Donc ensuite, un avocat, deux œufs, une mangue, un pavé de saumon frais, voilà, cru, hein, que moi je vais couper en cubes pour mettre dans mon Pokéball, un oignon nouveau. Mais après, si vous voulez mettre des tomates, cerises, ou si vous voulez mettre du. Nous, on a déjà mangé avec Elissa, avec de la grenade ou avec du kiwi, à la place de la mangue, par exemple, pour faire un petit sucré salé. Vous mettez ce qui vous fait envie. Après, évidemment, on ne peut pas tout mettre non plus, il faut que ça aille bien ensemble. Mais ça, vous allez voir, celui-là, il est déjà assez cool. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 minutes 30. 3 minutes 30. Bon, on va pas tarder à attaquer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ouais, en fait. Ah oui, pardon, il va vous falloir de l'eau aussi. Il va vous falloir 315 millilitres d'eau. En gros, 315 grammes d'eau. Voilà, pour vos 250 grammes de riz à sushi. La cuisson du riz, elle est un peu différente parce que c'est du riz spécial sushi. Donc d'abord, on va devoir bien le rincer. Alors logiquement, il faudrait le rincer pendant des heures. Moi, j'ai fait le test hier, parce qu'on en a mangé hier. Je voulais tester un peu pour vous donner des bons conseils. Honnêtement, c'est pas la peine de le rincer pendant 3 heures. On va le rincer un peu dans une passoire, ça suffira. Ensuite, on va le mettre dans l'eau départ eau froide et on va faire chauffer. Quand l'eau bout, on monte l'eau au maximum. Quand l'eau bout, on met à feu moyen pendant 2 minutes et ensuite on passe à feu doux pendant 10-12 minutes jusqu'à temps que toute l'eau soit absorbée. En fin de compte, on ne va pas l'égoutter après notre riz. Il va juste absorber l'eau qu'il y aura dans la casserole. C'est pour ça que pour 250 grammes de riz, mettez bien 315-320 grammes d'eau. Voilà, 320 millilitres. De toute manière, ça, je vais vous le récapituler quand on va commencer la recette. Vous allez voir, c'est ultra facile. Ça paraît compliqué comme ça, mais pas du tout. On va pouvoir commencer. Oui. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est comme d'habitude, je vais éplucher mes légumes, etc. Pour qu'ensuite on puisse faire notre bowl. Donc, quoi que ça, je le ferai pendant que le riz cuit. Ce sera plus facile. Alors, on va commencer ben, justement par la cuisson du riz. Donc, Elissa va pouvoir venir par là. Je vais vous montrer.
peut-on faire avec autre que du riz à sushi? Franchement, c'est pas pareil. Vous pouvez faire du riz normal et le cuire de façon classique et ensuite le mettre dans votre bowl. Mais en fait, ce qu'on aime bien dans cette recette, c'est que le riz soit vinaigré et qu'il soit collant. Parce que c'est vraiment du riz à sushi. Et c'est ça vraiment qui fait que c'est bon. Alors regardez, vous prenez vos 250 grammes de riz. Moi, je vous rappelle que pour ma recette, il y en a plus. Mais les recettes que je vous donne, c'est pour vos 250 grammes de riz. Vous les mettez. Tiens, viens par là, bébé. Hop. J'ai fait des cannelés, donc il y a quelques petits moules à cannelés dans mon lavabo. Vous mettez votre riz dans une passoire. Ah oui, celle-là, elle est. J'avais oublié qu'elle était prête, tu peux me donner l'autre qui est là-dedans. Ouais, tu vas réussir à faire une petite marche arrière. J'ai oublié qu'on avait une passoire cassée. Celle de droite. Hop, merci assistante. Donc je transfère dans celle-ci, ce sera mieux, elle n'est pas trouvée. Et ensuite, on rince notre riz directement dans la passoire. Voilà. En temps normal, ils disent qu'il faut le rincer longtemps, longtemps. J'ai essayé hier. C'est peut-être mieux, mais c'est pas obligatoire. Alors moi j'ai une petite truc comme ça. Et voilà, on va le rincer un petit peu, on va le mélanger. Hop. Parce qu'en fait, ce riz-là, il est chargé d'amidon. Et en fait, c'est l'amidon qu'on enlève un petit peu qu'il y a dessus. D'ailleurs, on voit l'eau qui coule. Vous ne voyez peut-être pas, vous, à la caméra, mais l'eau qui coule, elle est blanche, un peu pâteuse. Et c'est pour ça que c'est important quand même de le rincer. Même si on ne va pas, nous, le rincer pendant des heures. Vous allez voir, c'est pas la peine au final. Voilà, comme ça suffit. On secoue un peu pour égoutter. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Vous allez voir, c'est facile. Est-ce que tu vas attendre que le riz refroidisse avant de servir? Alors, normalement, il faut attendre que le riz refroidisse. Mais moi, pour ce soir, je vais bien vous expliquer comment se déroule la recette, mais pour ce soir, j'ai anticipé, j'ai cuit du riz hier déjà, qui est au frigo depuis hier soir, pour pouvoir vous dresser le pokéball. Vous pouvez très bien le manger tiède, c'est pas désagréable du tout, hein. Mais moi ce Non, mais que... hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé un aussi. On l'a mis au congèle. Ouais, j'ai mis au congélateur et ça Ça va pas refroidit aller plus en... longtemps. Non, dans un bac en inox qui chope bien le froid, parce que l'inox ça tient bien le froid, on a attendu 10 minutes au congélateur, je l'ai mélangé 2-3 fois pour qu'il se refroidisse. C'est meilleur froid évidemment, mais tiède c'est pas mal non plus. On peut mettre quoi à la place du tofu, du saumon? Bah c'est avec du, à la base c'est avec du saumon, du thon, le Ouais, pokéball. du thon. Mais après, vous mettez ce qui vous fait envie. C'est vraiment. Bah c'est Ah. modulable. Donc là, vos 250 grammes de riz dans vos 320, 325, on n'est pas à 5 grammes près, millilitres d'eau. Départ eau froide. Mon eau est froide. Hein. Je mets la flamme en dessous et voilà. Départ eau froide. Hop. Comme ça. On va prendre une petite cuillère pour mélanger. Là, on part à feu vif. Quand ça commence à bouillir, on se mettra à feu moyen 2-3 minutes et ensuite on passera à feu doux pour le reste de la cuisson et on mélangera de temps en temps, tout simplement. Cette recette est japonaise, non? J'ai un doute. Non, Pokéball, c'est hawaïen. Ouais, mais c'est fait avec des produits. Oui, c'est des produits asiatiques, Ouais, quoi. c'est très japonais, mais bon, il y a une culture asiatique là-bas aussi. Et je ne connais pas exactement l'histoire, mais. Enfin, Pokéball, c'est hawaïen. Ouais, mais ça fait très asiatique. Alors, pendant la cuisson de notre riz, on va le surveiller hein, tranquillement. Donc, je vous répète comment on fait. On met le riz dans l'eau, départ à froid. On met le feu à fond en dessous. Là, elle va. Quand elle bout, on se met sur feu moyen 2-3 minutes et ensuite on passe sur feu doux. Voilà, c'est le seul côté technique de cette recette, donc je préfère le dire. Maintenant, on va passer à la découpe ben, de nos toppings, on peut dire. Donc, moi, j'ai choisi la mangue parce que j'adore ça. C'est du riz à sushi. Ouais, riz à sushi. Et parce que la mangue, ça va très bien dedans. Donc, celle-là, elle est parfaitement mûre. Elle est même un petit peu trop sur la pointe, mais c'est pas grave. On va couper le morceau qui est un petit peu noir. Alors, après, libre à vous, comme je vous l'ai dit, de mettre ce que vous voulez. Nous, la dernière fois, on a mangé avec du kiwi dedans. C'était bon le kiwi aussi, hein, avec la sauce Ouais. soja et tout. Je m'attendais à pas trop aimer. Mais au final, c'était une bonne surprise. Et la mangue, c'est le top. Fait vraiment un petit côté, ça va bien que la sauce soja aussi, ça fait un petit côté sucré-salé qui est pas du tout désagréable. Donc la mangue comme d'habitude, donc vous voyez la mienne là, elle est un peu morflée sur le dessus, donc je vais couper un peu comme ça.
J'enlèverai le noir après. Donc Bon, Nico va bien. Donc la mangue, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, le noyau, il est très fin et il est au milieu. Donc on la coupe des deux côtés comme ça, le long du noyau. Hop, parce que le noyau, il prend toute la longueur. Voilà, là on est quasiment au noyau. Ensuite, on coupe le maximum qu'on puisse sur le côté. Le mieux, c'est de la ronger après. Je ne vais pas vous le faire, mais... Elle paraît verte, non, pas du tout, elle n'est pas Ah verte. non, elle est Elle est très 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 mûre, ouais. mûre. Même trop. Voilà, le noyau, en gros, il est comme ça, vous voyez? Il y a un petit peu de chair autour, on la grattera après. Là, je vais enlever les côtés trop mûrs, qui sont là, hop, et là. Et ensuite, libre à vous de la détailler comme vous voulez. Hier, j'ai fait des lamelles, mais c'était un peu gros, je trouvais, dans le Pokéball. Donc ce soir, je vais faire des petits cubes. C'est donc une recette sucrée salée. Ouais. Oui, c'est du sucré salé, c'est vrai. Donc ensuite, on la coupe. Moi, je vais faire des petits cubes d'à peu près un Tu vas dire demi-centimètre. quand le pâtissier que tu as choisi avec toi pour le 17? C'est quoi? C'est le 18, non? C'est le 18, oh, je vous dirai sûrement ça demain ou après-demain. À cette étape, Hélène, à cette étape, je perds mes doigts et la recette est finie. J'avoue, moi aussi. Donc on va faire des petits cubes. Donc une mangue c'est pour deux Pokéballs à peu près. Moi j'aime bien en mettre beaucoup parce que ben, c'est des fruits, c'est bon pour la santé. Et ça apporte quelque chose dans cette recette. Nico, ouais, il a une formation de cuisine pâtisserie, donc c'est pour ça qu'il gère bien la découpe. Ah ouais, j'en ai fait de la découpe. J'en ai fait pas mal. Donc voilà, hop, la mangue, je vais mettre tout ça dans des petits récipients, ça va être mieux. Ça, on va le manger après, j'aime bien. Là, il y en a assez. Hop, tiens, non, ça serait super, il va me servir après. Je vais prendre des petits bols. Celui-ci. Écoute, Nico n'aime pas non plus trop le sucré salé, et ça, c'est une recette qu'il aime bien. Ouais, ça j'aime bien. Pourtant, c'est vrai que c'est pas la cuisine que je préfère, le sucré salé. De temps en Moi, temps, j'aime j'adore bien, mais perso. ouais. Toi, tu pourrais manger que exotique de toute manière. Ouais, j'adore ça. En cuisine du monde, pour moi, c'est la meilleure cuisine. Enfin, l'indien, Alors que moi, je tout. suis plutôt cuisine J'adore. française. Ouais, Hop, la peau à la poubelle. Maintenant, on va passer à l'avocat. Alors, l'avocat, c'est aussi un ingrédient phare hein, des Pokéballs et tout. Moi, j'adore de toute manière. Puis, ça me fait penser vraiment à des sushis avec le saumon et le tout. riz vinaigré et tout. Ouais, riz vinaigré, saumon et avocat, pour moi, ça veut dire sushi. Hop, regardez comme je l'ai bien choisi, je suis content, t'as vu? Clax. Il est parfaitement. Parfaitement mûr. Alors tu sais que, je sais même pas si toi tu le sais, tu sais qu'on a une grande culture d'avocatiers en Corse? Je suis allergique à la mangue, arrêtez les desserts à la mangue, je sais que c'est le fruit à la mode, mais quand même. Alors c'est pas un fruit à la mode, moi j'en Non, mange j'en mange avant d'être depuis. confinée. Moi aussi j'en mange depuis longtemps. Je vais me rincer les mains. Et après, c'est vraiment triste d'être allergique aux fruits. Ouais. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, il y a quand même pas mal de gens qui sont allergiques aux fruits crus, tu sais. Ouais. Ah, regardez notre riz, tant qu'on y est. Ça commence à bouillir. Donc on mélange. Maintenant, on va passer sur feu moyen pendant à peu près 2 minutes, juste pour maintenir un peu le petit frémissement. Voilà, pour maintenir la température assez haute. Donc là, je passe sur feu moyen. Ça continue à bouillonner, on va dire. Est-ce que tu peux nous donner ton petit secret pour choisir tes avocats? Alors, les avocats, j'ai un petit secret, je vous le montre. Regardez. Là, je ne l'ai pas fait sur celui-là. Ah oui, parce que celui-là, il était sous vide. Vous voyez, là, il y a la petite queue. En fait, si vous arrachez la queue et qu'en dessous il est l'opercule, on peut pas dire l'opercule, Ouais, bah le bon, ce petit. serait comme une opercule en fait, enfin Ouais, un opercule. un petit rond. Voilà, le petit rond. Si en dessous il est blanc, c'est que l'avocat est blanc à l'intérieur. S'il est noir, c'est que l'avocat est noir à l'intérieur. Hop, vous voyez, il est blanc là. Là, parce qu'il y a le petit morceau de. Il y a le petit morceau de queue encore dessus, mais vous voyez, il est blanc. C'est-à-dire qu'il va être blanc dedans. S'il est noir, c'est que dedans il est noir. C'est une technique. Faut pas le Qui prendre marche. noir. Bah non, faut pas le prendre noir. Ça veut dire qu'il est C'est pourri. une technique qui marche bien. Et après, évidemment, ça se fait au toucher. Moi, je regarde même plus maintenant au toucher, je le sens. Mais difficile de décrire un toucher. Bah, il faut pas qu'il soit trop mou ni trop Ouais, dur. exactement. Mais des fois, on a des mauvaises surprises quand même. Des fois, on se dit, il est bien, puis il est noir dedans. Donc, c'est toujours bien de regarder comme ça. Avocat, pareil, hein, en petit cube ou en lamelle. C'est plus agréable en petit cube à manger. Parce que comme ça, on peut tout prendre en même temps dans le Pokéball. Donc, des petits cubes. Alors, ensuite, on va mettre. Là, ça fait bien 2 minutes. Hein. On mélange bien. Et maintenant, on passe sur le feu doux. S'il daigne s'allumer, voilà. Feu doux. Et maintenant, on laisse. En général, c'est 10-12 minutes. Après, ça dépend si vous avez mis plus ou moins d'eau. Normalement, en respectant la quantité d'eau, on en a pour 10-12 minutes. Il faut qu'il absorbe toute l'eau. Et mélanger. Bien mélanger pour pas que ça accroche au fond de la casserole, quand même, que ça brûle. Hein. Donc l'avocat, ensuite, on va le mettre. Non, là, il y a de l'eau. J'ai plus assez de récipients, moi. Va falloir en racheter. Ah, mais voilà. Ensuite, l'avocat, on va le mettre là-dedans. Est-ce que tu sais faire les sushis?
Oui, j'en ai déjà fait. C'est long à faire les sushis quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'en fait pas souvent. Un jour, peut-être, je vous ferai un live sushi. Il faudra que je prépare tout en avance, par Ah ouais, contre. parce que c'est hyper long. Ouais. Là, je pense qu'on gérera le live différemment. Je vous dirai bien de préparer vos ingrédients à l'avance si vous voulez faire en même temps que moi. Et on fera vraiment la technique du sushi. Parce que c'est bon les sushis maison aussi. Mais c'est difficile d'en faire des aussi bons que chez les maîtres sushis. C'est vraiment un métier. Hein. C'est encore en dehors de la cuisine, je trouve. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Hélène, si tu regardes cette vidéo, vu que j'ai vu que tu étais là, c'est une recette que tu pourrais trop faire, ça, parce que c'est facile et c'est trop bon. Exactement. Ensuite, vous prenez votre citron vert. On va récupérer le zeste après. Donc, si vous en avez deux, c'est bien, mais c'est plus facile de zester un citron qui est entier. Et on en met un petit peu sur l'avocat, ça va éviter qu'il noircisse. C'est un antioxydant, hein, le citron en général. Le citron vert, il a un goût que j'adore. Je préfère le citron vert au citron jaune. Vous pouvez même en mettre un petit peu sur la mangue, histoire juste qu'elle ne noircisse pas. Ça, c'est vraiment pour le côté visuel, parce que s'il noircit l'avocat, une fois qu'il est coupé, c'est pas grave du tout. C'est juste que l'air l'oxyde, mais il est toujours aussi bon. Donc, on garde bien après nos deux citrons verts, on va s'en servir après. Ensuite, avocat, poubelle. Hop. On va passer maintenant à la suite. Donc, on va faire le petit oignon nouveau. Donc, oignon nouveau, ça aussi, pas obligatoire d'en mettre, mais moi, je trouve que ça apporte quelque chose dans le Pokéball. Petit côté croustillant, un peu piquant, voilà. Ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir un peu tout. D'avoir un peu d'acidité, d'avoir un peu de douceur avec les fruits, d'avoir un peu de piquant avec un oignon nouveau. C'est ça qui est agréable dans la cuisine, c'est quand il y a plusieurs sensations, on dira. Et du coup, vous l'accordez ensuite comme vous voulez. Mais la base, c'est vraiment le riz vinaigré, un poisson et l'avocat. Je trouve que c'est les éléments vraiment obligatoires. On va faire des petits cubes aussi, tant qu'à faire. Hein. Hop. On fait des lamelles, des lanières, je veux dire. On le regroupe et ensuite on coupe comme ça. On met bien ses doigts, on fait attention de ne pas se couper. On ne met pas trop de verre parce que c'est un peu aigre quand même, mais on peut en mettre un petit peu. Celui-là il est petit, on va juste le couper en deux. Ananas, ça peut fonctionner aussi. Ananas, ça peut fonctionner, oui. Ouais. Très hawaïen, ananas d'ailleurs, il y en a beaucoup dans la cuisine hawaïenne. C'est sûr, faut pas trop assaisonner, pas comme comme avec Norbert. Avec Norbert, on a tellement rigolé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue à la Foire de Paris. Elle est très courte, elle dure 5 minutes. Mais on a tellement rigolé avec Norbert, c'est. J'avoue que j'ai un peu raté ma cuisson. Alors regardez, le riz, comme il a déjà pas mal absorbé l'eau, vous voyez, il n'y a presque plus d'eau. On mélange, hein, on ne laisse pas brûler au fond de la casserole. Là, ouais, encore quelques minutes. Ah oui, j'étais pliée. Qu'est-ce que Nico ne sait pas faire? Je suis nouvelle sur la chaîne, je kiffe, merci. Merci à Je tous les déteste nouveaux qui m'ont cuisiner, mais je rejoint. me régale en vous regardant. C'est gentil. Vous avez Donc, été beaucoup à me rejoindre ces derniers temps sur YouTube et je vous en remercie, et d'ailleurs sur Instagram aussi. D'ailleurs, on a passé les 50 000 sur Instagram et ouais, merci merci à tous, hein, d'avoir franchement, tout partagé. ouais, vous avez été adorables. Après, comme je vous dis, c'est qu'un chiffre, hein, mais moi. Là, c'est toujours des petits caps Bah, que c'est c'est des petits sympa de caps, et passer. puis je vois que les abonnés augmentent et que la qualité de mes abonnés ne diminue pas. J'ai l'impression que j'attire les gens cool, sans me vanter. Hein. Mais j'ai l'impression que j'attire vraiment les gens cool. J'ai pas de haters ni rien, c'est trop bien. Trop bien de partager avec vous, c'est d'ailleurs pour ça que je continue. Si j'avais que des gens lourds et tout, franchement, j'aurais pas Moi, continué. j'ai encore beaucoup d'eau. Bah alors continue. Continue hein, si tu as encore beaucoup d'eau. Hein. Tu continues, t'inquiète pas, ton riz ne sera pas trop cuit de toute manière. Avec ce qu'on a mis comme eau et comme riz, le riz sera vraiment pas trop cuit, hein, ce sera nickel. Hop. Si tu vois que ton riz commence à être trop pâteux à faire une pâte, tu verses ton eau, c'est terminé. Faut anticiper. Il faut aussi s'adapter, je veux dire, en cuisine. Ensuite, les fèves. Bah, les fèves, on va tout simplement les ouvrir et récupérer les graines qu'il y a dedans, c'est comme des petits pois. Hein. Alors, la fève, si vous avez des fèves, vous savez, la première peau, elle est un peu amère. Donc rien ne vous empêche de récupérer juste la fève à l'intérieur, c'est-à-dire comme ça, si tu veux un peu te zoomer, vous coupez juste un petit bout de la fève et vous appuyez sur le derrière et vous faites sortir la fève de la peau. La peau est un peu amère, mais avec la sauce soja et tout, ça passe. Nous hier, on a mangé comme ça, c'était bon. Ouais, moi je mange avec la peau. Ouais. Et tout Ça ce qui est me bon dérange pour pas. la santé, c'est dans la peau aussi. Alors là. Et Nicolas, tu vas refaire une collaboration avec Sushi Shop, c'était trop bien. Non, enfin je pense pas, hein. Je pense que c'était vraiment un coup. Mais c'était une très belle expérience l'année dernière avec Sushi Shop, j'étais trop contente d'avoir ma box. On est bientôt bon. Hein. Vraiment encore 15-20 secondes. Après, on stoppera un peu la découpe des légumes et des fruits. Et on passera sur le riz. Ensuite, on reviendra. On a quasiment terminé d'ailleurs.
Les fèves, on les récupère pareil, hein, on les met de côté. En fait, on prépare vraiment tous nos petits ingrédients. Ça, j'aurais pu le faire en amont pour que le live dure moins longtemps, mais je trouve que c'est toujours sympa de faire un live qui dure au moins une petite heure. Comme ça, on discute et tout en même temps. Et vous pouvez poser vos questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, même hors du Pokéball, n'hésitez pas. Mon riz, ça va être bon. Je ne vais pas le laisser brûler quand même. Ça va, il accroche Est-ce qu'on pas peut prendre trop. des fèves surgelées? Oui, je peux prendre des fèves surgelées. Je vais laisser décongeler avant, évidemment. Alors, maintenant que mon riz est prêt, je coupe le feu. Hop, je vais prendre un bon gros cul de poule. Voilà, vous prenez un grand récipient, un saladier, hein, si vous n'avez pas de cul de poule, et vous mettez votre riz dedans. Hop. Donc vous voyez, riz à sushi, souvent, se fait tout un monde. Il parle de beaucoup rincer, de beaucoup de cuisses, d'une cuisson un peu bizarre, un peu space et tout. Pas du tout, hein, vous avez vu. Il a fallu 10 minutes, comme du riz classique, en fin de compte. Alors là, pendant que notre riz est chaud, on va faire le mélange. Donc, dans ce mélange, on va mettre le sucre en poudre, le vinaigre de riz ou même vinaigre blanc ou vinaigre de cidre et le sel. Et là, je vais tout mélanger à la cuillère pour que ça puisse bien se dissoudre dedans. Donc voilà, on met notre vinaigre, sucre et sel et on mélange bien. Il faut plus qu'il y ait de. Vous pouvez le faire avant de cuire le riz si vous voulez. Il faut plus qu'il y ait de morceaux de sucre et de morceaux de sel. Voilà, c'est tout. On va même le laisser tranquille sur le côté se dissoudre. De manière, le riz il est bouillant et on va pouvoir passer. Bah, continuer à décortiquer nos trucs. Vous allez voir, c'est facile. Donc, on finit nos fèves tranquille. Hop. J'adore les fèves. Nous, c'est les fèves du jardin. On a vraiment de la chance. Mon père, depuis que je suis petit, j'ai toujours, je veux dire, été élevé aux fèves. C'est bizarre parce que les fèves, c'est un légume qu'on voit pas souvent. Mais mon père m'en amenait tout le temps, tout le temps. Il en a tout le temps planté et j'adore ça. Et vous savez quoi, c'est trop bon. Je le fais plus maintenant parce que ça va. Je suis plus un ado. Mais chips et fèves. C'est ce que je faisais quand j'étais petit. Tu savais pas, toi, quand j'étais ado. J'ai cossé toutes mes fèves comme ça, les mettais dans un bol, et après je mangeais avec des chips. Ben, tu sais que c'est toc de bon. Merci, je suis au courant, il y a encore un an, tu le faisais. J'avoue. J'avoue que je l'ai refait quand on était ensemble, c'est vrai. Le fais chaque année, mais cette année, ou alors tu fais attention. Je suis healthy, maintenant je mange plus de chips. Mais c'est trop bon, essayez. Franchement, fèves et chips, c'est la vie. Et. La recette sera, comme d'habitude, la vidéo sera sur la chaîne de Nico En après. replay, ouais. Vous pouvez remplacer les fèves par des edamame. Oui, à la base, c'est des edamame dedans. Mais c'est plus rare à trouver. Et là, c'est la période des fèves. Là, ça, c'est les fèves du jardin. Elles sont trop belles. C'est sucré, les fèves. C'est trop bon. J'adore ça. C'est, je pense, un de mes légumes préférés. Alors, les fèves, c'est fait. On va passer au saumon. Alors, le saumon, pareil. Là, il y en a beaucoup. Hein. Là, il y en a pour deux personnes. Hein. Donc, je vais garder la moitié au frais pour demain. D'ailleurs, demain, je vais sûrement me remanger un Pokéball. Apparemment, ça siffle un peu le micro. Ah ouais? Ouais, il y a des gens qui disent que ça siffle. Ouais, mais là, malheureusement, il est neuf, je peux rien faire. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Non, Dites-nous, il y a hein. que deux autres personnes. J'avais trouvé des edamame. Bon, rayon sushi, normalement, Ouais, mais ils en bon. vendent, hein. Alors, mais c'est cher hein, pour ce que c'est. Oui, Franchement, il vaut c'est mieux acheter des sûr. fèves. En plus, les fèves, c'est la saison. Acheter des fruits et des légumes de saison. Alors, regardez le saumon. On le coupe à peu près d'un demi centimètre dans la longueur. Hop, on fait une belle tranche comme ça. On fait des tranches d'un demi centimètre. Parce que là. Les autres fruits et légumes, vous les coupez un peu comme ça vous fait envie, mais le saumon, je vous donne vraiment un conseil, c'est faites des petits cubes. Parce que vu qu'il est cru, bon moi j'adore le saumon, je pourrais manger le pavé comme ça. Mais ce qui est agréable quand même, c'est d'avoir des petits morceaux et pas des trop gros morceaux. Donc je vous conseille vraiment de faire des petits cubes. Donc vous voyez là, j'ai coupé un demi centimètre, je continue à couper un demi centimètre à peu près. Et ensuite je couperai un demi centimètre, ce qui fait que j'aurai un cube. Bon, il y en a qui n'ont pas de sifflement. Il y en a qui disent que c'est très supportable. C'est bizarre, Je hein? pense que ça va. Je vais essayer. Dimanche, ma femme m'a testé ta recette de BN maison pour notre petit. Ah, trop cool. Et bientôt, la semaine prochaine, si tout va bien, il y aura la recette de napolitain maison. Ah, apparemment, des edamame, on en trouve chez Picard. Ah, voilà. Nous, c'est vrai qu'on n'achète jamais de surgelé. On va jamais chez Ouais. Picard, ni chez Thierrier, Oh, Picard, c'est bon. ni. Ouais. Et c'est. Ben, moi, ce qu'il y a, c'est que je cuisine vraiment tout frais, hein, quasiment à peu de choses près. Parce que ça me plaît aussi. Mais c'est vrai que le surgelé, c'est une bonne alternative. Surgelé bio, c'est bon. Ouais. Alors, bon, vous voyez là le saumon, ouais, je me suis un peu emballé, il y en a vraiment beaucoup. Bon, moi j'adore ça, donc je vais tout manger, là, ce que vous voyez. J'adore le saumon.
Mais j'en ai pour 3 Pokéballs faciles. Ah. J'ai de la chance. Hop. Mais bon, vous voyez, ça à peu près, Elissa vous filme, vous voyez, c'est à peu près une portion. Je rajoute un morceau. Par contre, ces deux-là, je vais les garder pour demain aussi. Alors, on va manger des Pokéballs pendant un petit moment, hein, ma petite. Tant mieux. Moi, j'adore ça. Et de On a manière, déjà j'ai. mangé hier soir parce qu'on avait trop envie quand on a fait les Ouais. courses. On a déjà mangé des sushis ce midi en plus aussi. Ben toi, moi, Moi, j'ai ouais, pas t'as envie. mangé un bowl, toi. Un wok. Alors, on est bon. Vous remarquerez qu'il reste les œufs, parce que je vais vous donner une petite technique pour les œufs qui pourra vous servir dans d'autres recettes. J'aime bien vous donner des petites techniques à chaque fois. Donc là, c'est plus ou moins dissous. On va continuer à mélanger quand même. Il reste des petits morceaux. Donc vinaigre de riz, c'est l'idéal, hein. Vinaigre blanc, ça le fait. Vinaigre de cidre aussi. Hop, et maintenant, on met le mélange dans le riz. Hop, voilà, on n'hésite pas. Hein. On met tout le mélange dans le riz et ensuite, on y va avec les mains. Ça, c'est à la maison. On y va avec les mains et on mélange bien. Ah, c'est chaud encore. Faites attention quand c'est un peu trop chaud. Hein. Ah, c'est un peu chaud. Et hier, je crois que j'ai attendu plus de temps entre les deux. Bon, alors, quand c'est très chaud, faites avec des cuillères. Hier, je me suis pas brûlé, mais là, j'avoue que je ne les ai pas trop mélangés. Et ensuite, on mélange. Donc ça, voilà, c'est vraiment la base du Pokéball. C'est le riz vinaigré, sucré, salé. Est-ce qu'on peut mettre de la cassonade? Non, c'est pas tout à fait pareil. Mais si tu n'as pas de sucre, essaye. Essaye. Je pense que ton riz va prendre une couleur marron, hein, forcément, vu que la cassonade va se dissoudre dans le vinaigre. Bon, ça reste du sucre, hein, Bon, donc. ça dépend vu la quantité, vu le Ouais, mais riz. quand même, ça colore bien la cassonade. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ça reste du sucre, hein. Et là, elle dort à cette heure-là, depuis Donc voilà, on mélange bien. longtemps. Et maintenant, bon, nous, on va le laisser à température ambiante parce qu'on n'est pas pressé. Mais sinon. À ce moment-là, vous le mettez. Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre de trucs trop chauds au congélateur. C'est vrai. Dans certains cas, vous pouvez le faire. Ça ne va pas détruire votre congélateur non plus. Mais surtout qu'il a un peu tiédi depuis tout à l'heure. Ouais, bon, là, il est encore assez chaud, hein, mais vous pouvez le mettre au congélateur. Moi, vous voyez, notre congélateur à nous, c'est des gros bacs. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça, donc c'est pratique. On le pose dessus. Là, bon, je vais le laisser, vu que j'ai du riz, je vais le laisser à température ambiante. Et vous mélangez de temps en temps. Vous le laissez, admettons, 10 minutes dans un saladier en inox ou en verre au congélateur, comme ça. Vous ouvrez, vous mélangez, vous remuez et vous refermez. Voilà, comme ça. Tranquille. Et, Pour qu'il refroidisse ouais, pour rapidement. qu'il refroidisse Après, si vous rapidement. avez le temps de laisser refroidir plus Si vous pouvez le longtemps. faire la veille pour le lendemain, c'est mieux, hein, évidemment. Ensuite, on va faire la technique des œufs. Regardez. Bon, apparemment, le sifflement est fort. Ah ouais? Essaye de déplacer ton micro. Je vais le mettre dans l'autre sens. J'ai quand même des gros problèmes de son sur les lives. Je suis désolé. Mais je crois que je le mets comme ça. Moi, je le mettrais peut-être plus près. Là, il est vers le bas, tu vois. Je Je le sais. mettrais vers le haut. Ah mais j'arrive pas à le mettre vers le haut. Parce qu'après il se retrouve, tu vois. Ouais mais ça. J'arrive pas à Hop, bien le mettre. regarde ici. Vas-y parce que. Mais je peux pas, j'ai qu'une Dans main. ce sens-là, tu dis comme Voilà. ça. Comme ça. Voilà. Bon, dites-moi, hein, c'est peut-être la qualité du Et là, le micro. Hein. bâtiflement, il y en a qu'un an. C'est ça qui est Bah bizarre. ouais, ça ne doit peut-être pas venir du micro du coup. Dites-nous. Alors, regardez. Petite technique. Je vais bien chauffer mon eau. Cette technique d'œuf, on va faire un œuf poché, mollet, cuisson pochée et enfin façon de cuire poché et cuisson mollet. Les œufs pochés, je sais les faire, hein, normal. Vous cassez l'œuf dans l'eau, vous faites le tourbillon et il s'enroule sur lui-même et tout. Mais c'est assez complexe, c'est un peu technique et du coup, on va se faciliter la vie. Regardez, on va prendre un bol comme ça. Tu le Ah, c'est un vois? ultrason, on dirait. Je pense que c'est la plaque. Ah, c'est la plaque, tu crois? Ouais. Si c'est la plaque, franchement, t'es forte. Hein. Ils disent que, il y en a qui disent que c'est un ultrason. C'est peut-être Du plus coup, faible c'est au niveau les de la jeunes qui plaque. l'entendent et les vieux qui l'entendent C'est ça. pas? Bon, on va voir. Alors, on a coupé l'induction, peut-être que c'est ça. Hein. Si on a trouvé la solution, on fera des lives que sur le feu à gaz. c'est ça, les ultrasons en plus. Hein. Les ultrasons, il n'y a que les jeunes qui les Eh entendent. oui. Moi, je Alors, les entends encore, mais je pense que bientôt, je les moi, je entendrai les entends plus. plus par contre. Ouais. Alors, regardez. Elissa, Ouais. concentrée, caméraman. Prenez des petits bols comme ça, ou un bol de maison, n'importe. Vous prenez du film plastique
comme ça. On rajeunit d'un coup là maintenant. Et vous prenez un morceau de film plastique. Vous le mettez dans votre bol, comme ça. Non, c'est pas ça, il y en a qui ne touchent pas, on verra. Ouais. Vous le mettez dans votre bol, il faudra que j'écoute après quand il est uploadé. Ouais. Vous le mettez dans votre bol, comme ça. Et vous cassez votre œuf dedans. Ah, faut pas être vexé, Nico aussi, il entend pas. Ouais, je les entends plus, moi, ça y est. Hop. Donc cette recette, elle vous servira pour toutes vos salades, pour tout ce qui nécessite de faire un œuf poché. Vous n'aurez plus à vous prendre la tête. Autant, j'espère que ça va pas être un fail, hein, mais je l'ai déjà fait. Il y a longtemps, par contre. Hop. Et on met nos œufs dedans. Comme ceci. Ensuite... Tu as acheté où tes petits bols ? À casa, ceux-là. Ensuite, on prend du sel, du poivre. Tant qu'à faire, on peut assaisonner nos œufs directement. Donc, un petit peu de fleur de sel. Hop. Et un petit peu de poivre. Hop. Hop. Et ensuite, on va tout simplement venir les enfermer dedans et faire un petit pochon. Attendez, je vais voir. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a toujours l'ultrason. Tu crois que c'est quoi la télé ? Parce que ça peut être d'autres. Hein. On a tout éteint là. J'ai éteint la télé. Donc regardez. Et ensuite, vous fermez votre œuf entièrement dedans, comme ça. Hop. Hop et hop. C'est un petit pochon. Et vous tournez. On le voit là. Je regarde si c'était mon téléphone. Enfin, je cherche. Je vais devoir redemander à Gilbert de me filmer. Vous voyez ? Hop. C'est pas trop vite. Et maintenant, on va le cuire directement dans l'eau, comme ça. Tu comprends la technique ? Du coup, tu as un œuf poché mollet. Il faut serrer ? Ouais, le risque, c'est que ça s'ouvre. Hein. Alors, logiquement, il faudrait mettre une petite ficelle en plus pour assurer. Mais le film plastique, en général, ça tient bien. Tiens, mais d'ailleurs, je peux même peut-être faire un nœud avec celui-là. On va voir. Comme ça, on va voir les deux. S'il y en a un qui se casse la gueule, on aura un autre. On va faire un petit... Dans la technique de l'œuf, à 60 ans, je ne connaissais pas. Ah ! Voilà. Technique ni cook. On apprend toujours des choses avec nous. Bon, attendez, hein, normalement ça marche. Si on voit que ça marche pas, c'est qu'il aurait fallu mettre une petite ficelle. Mais la dernière fois, je les ai fait comme ça, il me semble. Et on met dans l'eau. Super. Attends, 6 minutes. Il est 4. Il est 4. À 10. Doucement. J'espère que ça va pas s'ouvrir. Et on laisse. Donc à 10, on le sort. Il est en train de s'ouvrir. Il y en a un qui s'ouvre. Il tourne le truc là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser. On croit en notre chance. Chance, c'est beau quand même. Le temps que ça cuise, bah tenez, je vais couper des morceaux de tofu d'Elissa. Mmh, elle va se régaler. Ah là, il est super bon ce tofu. Donc on coupe des tranches de tofu au curry. Pour moi. Comme pour les petits dés de saumon. Voilà. Le film plastique ne fond pas dans l'eau ? Non, le film plastique ne fond pas dans l'eau. On adore les astuces de Nico Gourmand. Et ensuite, des petits cubes de tofu pour Elissa. Voilà, comme ça, elle aussi, elle aura son petit Pokéball. Tu m'en as fait beaucoup, quand même. Bon, ça va, non ? C'est pas... Les œufs ne vont pas coller au film classique ? Normalement, non, aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Là, ce soir, j'ai pris un risque. Hein. Mais je me souviens l'avoir fait dans ma carrière de pseudo-cuisinier. Je me suis un peu chauffé. Je me suis dit, on prend un risque. Autant je serai à la risée. Alors, regardez, on a tous nos éléments, donc réunis. Voilà. Mangue, avocat, les oignons, les petits trucs, ça ce sera pour demain. Graines de sésame ici qu'on rajoutera en dernier et la sauce soja salée. On va prendre la sucrée pour Elissa. Merci. Moi je prends la sucrée. Ouais. Est-ce qu'on peut faire l'œuf au micro-ondes ? Oui, on peut le faire au micro-ondes, mais pour la cuisson, je trouve que c'est un peu difficile à gérer. Pour ma part, la dernière fois c'était un fail, j'ai dû mettre de l'huile les amis ici. De l'huile, pourquoi les enlever du. Ouais. Ah, j'ai peut-être oublié l'huile, on verra. Non, normalement ça se décolle, il me semble. J'ai récupéré mon riz qui est froid. Apparemment, c'est pas une bonne idée de cuire dans du plastique pour les particules. De... Ouais, alors bon, je sais qu'il y a un débat là-dessus, hein, mais vous savez, c'est comme dès que vous faites du poisson vapeur au four et tout, les cuisiniers mettent beaucoup de film plastique. Je sais pas s'il y a vraiment des études là-dessus. Bon, après, tout. Je pense que si vous le faites une fois, oui, et puis moi, temps, y a pas... puis moi, on l'a toujours fait en cuisine. Après, faut c'est vrai. Il faut peut-être pas manger ça à tous les repas.